Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en Azerbaïdjan. Étape symbolique dans cette visite de trois jours. Avec son homologue azéri, le président Ilham Aliyev, ils se sont rendus à Choucha, une ville que l'Azerbaïdjan a reprise aux forces arméniennes l'automne dernier, lors de la guerre dans le Haut-Karabakh, région séparatiste pour laquelle se disputent Bakou et Yerevan depuis les années 90. En tant que principal soutien des Azéris dans ce conflit, Recep Tayyip Erdogan est le premier dirigeant étranger à se rendre à Choucha, une ville culturellement importante que les Arméniens appellent Chouchi. Il a promis d'y ouvrir un consulat turc. C'est là que les deux dirigeants ont signé une déclaration dans laquelle ils s'engagent à approfondir leurs liens commerciaux, politiques et militaires. La condition pour tous ceux qui souhaitent contribuer au nouveau statut de la région est de prendre du recul par rapport aux politiques de haine et de provocation et de s'engager dans la paix et la coopération. Une fois qu'un tel climat aura émergé, nous répétons que nous ferons notre part pour normaliser les relations avec l'Arménie. La guerre de l'automne dernier a fait environ 6000 morts. La victoire militaire de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie a été un coup géopolitique important pour Recep Tayyip Erdogan, alors qu'Ankara cherche à cimenter son influence dans cette région anciennement soviétique.